Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Après la décision du tribunal européen d'annuler les accords agricoles et de pêche qui les lient, le Maroc et l'Union européenne donc expriment leur détermination à poursuivre leur partenariat. Juridiquement, il faut savoir que cette décision ne peut avoir d'effet dans au moins 2 mois. Sans parler d'éventuels appels à interjeter en plus des mécanismes juridiques à enclencher pour les préserver. Nous reparlons de ce sujet ce matin avec notre invité. Il s'agit d'Idriss Aissaoui. Il est analyste économique en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour Idriss Aissaoui. Bonjour M. Omar. Alors, Idriss Aissaoui, le tribunal européen a pris cette nouvelle décision car ce n'est pas une première. Comment analysez-vous ce nouveau développement dans ces relations entre le Maroc et l'Union européenne? Vous savez, le Polisario est un mouvement qui a essayé depuis le début, depuis qu'il a été créé par nos amis algériens. Il essaie de créer de la zizanie et d'empêcher de danser en rang pour le pays, particulièrement pour le Maroc. Donc, le fait d'introduire cette action au niveau du tribunal européen est quelque chose qui était pratiquement attendu et tout le monde le savait. Mais aujourd'hui, la décision est prise et vous l'avez dit au début, il n'y aura pas d'impact direct sur le plan économique ni sur le plan pratique en ce qui concerne les échanges entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne de manière générale. Ce sont des choses qui vont se faire doucement. On prendra le temps qu'il faut et il y a aussi la possibilité sur le plan juridique de recourir à d'autres mécanismes pour pouvoir casser justement cet avis, cette décision du tribunal européen que le Maroc respecte. Il respecte, mais en même temps, il essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé de cette manière. Et les Marocains l'ont étudié de très près et considèrent que ce n'est pas la fin du monde et que ce n'est qu'une partie du processus de relations que le Maroc entretient avec les 27 pays de l'Union européenne. Ça se fera et ce qu'il faudra attendre, c'est les développements à venir qui me semblent être plus positifs qu'autre chose. Alors, des développements à venir, je rappelle à ce propos que le Maroc et l'Union européenne, donc la Commission européenne, ont fait part de leur détermination à préserver ce partenariat et à le poursuivre. Alors, cela dit, à vous entendre parler donc, Idriss Aissaoui, les opérateurs marocains qui exercent dans les domaines agricoles et qui exportent vers l'Union européenne, ainsi que les chalutiers européens qui sont donc dans les côtes marocaines, ces opérateurs-là n'ont pas à s'inquiéter de sitôt. Ah, écoutez, sur le champ, tout de suite, il n'y a aucun souci à avoir. Les pêcheurs vont pouvoir continuer à pêcher, du moins durant cette période. Les exportateurs de produits agricoles, qu'ils soient transformés ou non, n'auront pas à s'inquiéter également. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Maroc fait confiance au processus de négociation qu'il a développé avec l'Union européenne. Il y a également la volonté des pays européens à ne pas remettre en cause justement cette situation qu'il a avec le Maroc. Et cela se fera de la manière la plus normale, c'est-à-dire que l'on reverra la situation au niveau du Maroc, au niveau de l'Union européenne, et très probablement des solutions seront trouvées bientôt. Mais déjà, quand on regarde, quand on écoute les déclarations, la déclaration commune du responsable marocain et du responsable économique de l'Union européenne, il nous rassure sur le fait que nous allons vivre une période de transition pour laquelle le Maroc et l'Union européenne ont pris les prérogatives pour garder la stabilité relationnelle entre le Maroc et l'Union européenne,
pour garantir justement le fait, la décision, puisque ce qui se faisait, il se faisait sur la base de décisions officielles et de décisions institutionnelles prises par la Commission européenne et par le Maroc. Donc, on attendra cette évolution. Mais de toutes les manières, il n'y a pas de situation catastrophique pour laquelle le Maroc pourrait éventuellement invoquer telle ou telle chose. Mais ce qu'il y a, il y a un travail à faire. Et les professionnels marocains, moi je peux citer déjà la COMADER, c'est la Confédération du patronat de l'agriculture marocaine, qui ont déclaré qu'ils n'ont aucun souci et que c'est des gens qui vont continuer à travailler et ils vont poursuivre leur collaboration avec l'Union européenne sans que cela puisse poser un problème particulier pour les deux pays, pour le Maroc et pour la partie européenne. Justement, Driss Aissawi, on va revenir tout à l'heure sur l'impact diplomatique, mais restons sur le volet économique que vous évoquez là. Alors, de façon très simple, aujourd'hui, si on avait à voir cet accord, ces accords profitent davantage à qui ou bien sont plus bénéfiques à qui entre les deux parties? Ou plutôt, disons-le autrement, qui a plus intérêt à ce que ces accords-là demeurent et restent en vigueur? Un accord est d'abord une relation, entre guillemets, de déséquilibre en faveur de l'un par rapport à l'autre, ou c'est des échanges équilibrés, équitables entre les deux parties. Mais aujourd'hui, nous savons que le Maroc et l'Union européenne, ce sont des parties qui ont intérêt à ce que la coopération perdure, la coopération dure encore davantage. Au Maroc, il y a cette volonté de le faire. Nous avons aussi un gouvernement présidé par l'ancien ministre de l'Agriculture et qui a une très grande connaissance de ce domaine. Ils feront tout pour que les choses reviennent à leur situation de départ. Alors, pourquoi ? Parce que le Maroc n'a pas intérêt à ce que ses relations soient entachées par telle ou telle décision de la partie institutionnelle européenne. Le Maroc a intérêt à garder la relation qu'il a, surtout le fait que les Marocains sont connus pour être conciliants, mais aussi pour être professionnels dans leur traitement des affaires. Donc, très très probablement, nous aurons à vivre une situation un peu, on va dire, de flottement, déséquilibrée, mais pas totalement. C'est-à-dire que le déséquilibre, ce sont les juristes qui le regardent. Ce ne sont pas les professionnels. Ils voient le moyen et le long terme. Ils vous disent qu'on est obligé, on est condamné par la proximité géographique de travailler avec l'Europe. On peut pas se dire non, on ne va pas travailler avec les Européens. Nous allons travailler avec les Européens selon les conditions qui nous arrangent tous les deux et pas essentiellement une part contre l'autre. Et de toutes les manières, il y a une évolution sur le plan sociologique au niveau de l'Afrique. Les Africains ne supportent plus le fait qu'ils soient traités comme étant des pays du tiers-monde auxquels on donne de l'aide. Ce n'est plus ça. Effectivement. Le Maroc est parmi les pays qui aujourd'hui aspirent à faire plus avec ce qu'il fait aujourd'hui. Et le Maroc est un pays dynamique. Ce n'est pas un pays statique. Ce n'est pas un pays qui vit sur le legs de l'histoire. Il vit sur l'actualité, sur ce que peut donner telle ou telle opportunité au niveau de l'investissement. Alors, Driss Aissawi, parlons à présent de l'implication ou des répercussions diplomatiques. Quand même, ce n'est pas la première fois que nous assistons à une telle décision. Pensez-vous réellement que les relations si stratégiques pour les deux parties peuvent enfin connaître du calme avec ce type de décision qui revient de temps en temps? Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'enfin on puisse stopper cette spirale de contestation qui, de temps en temps, vienne secouer les relations entre le Maroc et l'Union européenne?
Vous savez, il n'y a aucune possibilité de garantir telle ou telle situation. Nous sommes dans un système où il y a un échange d'intérêts entre la partie marocaine et la partie européenne. Il y a une étude des intérêts de l'évolution du domaine d'intérêt, que ce soit du côté marocain ou du côté européen. Nous essayons de batailler avec tous les moyens dont nous disposons, avec la logique, avec la logistique, avec les groupes d'intérêt que nous avons. Et je pense qu'il n'y a pas moyen d'éviter ce genre de situation, surtout que nous sommes avec un groupement de pays, surtout l'Europe, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte l'équilibre des parties prenantes à un contrat. Et c'est sur la base de cet équilibre, de cette conception, on va dire, idéale que l'Union européenne a, que le jugement a été rendu. Donc, cette fois-ci, on a eu une décision du tribunal européen qui va dans tel ou tel sens. Le Maroc fera tout pour infléchir cette vision, cette conception, cette perception des choses et leur dire, attention, vous avez l'autre partie qui s'appelle le Maroc, qui a des intérêts et qui a un positionnement qui n'est pas nécessairement celui sur lequel vous avez réfléchi, sur lequel vous voulez agir. Le Maroc est un pays qui vit, est un pays dynamique. Attention, ces intérêts ne sont pas nécessairement ceux dont vous parlez dans votre décision. Alors, Idriss Aissaoui, on a vu que lors de la crise migratoire récemment, donc à Septa, l'Union européenne a fait quand même savoir que le Maroc était un partenaire qui compte, notamment certains grands pays de l'Union européenne comme la France. Alors, selon vous, comment aujourd'hui parvenir à faire un saut qualitatif dans ces relations-là, sur tous les plans, afin de dépasser en fait ces séismes que nous vivons de temps en temps? Vous savez, c'est difficile de vouloir concilier entre la logique politique, la logique diplomatique et la logique économique. Ce qui se passe aujourd'hui en France, il est conditionné par le contexte politique que la France vit. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails qui peuvent nous servir à expliquer telle ou telle situation. Mais de toutes les manières, les auditeurs comprendront que ce qui se passe en France n'est pas tout à fait étranger au sens de cette décision. Donc, nous attendrons, nous avons la patience qu'il faut. Et surtout, le Maroc est un pays qui a plus de 12 siècles d'existence. Il connaît ce que c'est que les relations internationales. Il sait ce que c'est que la relation avec l'Europe. Il a vu évoluer cette relation. Et je pense que le Maroc aura toute la latitude d'agir à l'avenir de manière à ramener la partie européenne à plus de raisonnement, plus d'équilibre dans sa vision des choses. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas de choses acquises définitivement. Il n'y a que des choses qui peuvent être discutées, qui peuvent être changées en fonction de l'évolution des positions des uns et des autres, et surtout de la perception de l'avenir que nous avons. Il y a ceux qui ont une réflexion de très court terme et ceux qui sont très allergiques à telle ou telle situation. Et nous avons ceux qui vous disent « Ah, le Maroc est un pays stratégique, on ne peut pas le sacrifier pour un dossier comme celui-là. De toutes les manières, il y en aura. » Il y aura d'autres dossiers. Et le Maroc, vous avez cité la question migratoire. Effectivement, le Maroc est l'un des pays qui a le mieux géré la problématique migratoire avec l'Europe. Il a même géré, même à la place de l'Europe, disons, toutes les sensibilités liées à la question migratoire. Et aujourd'hui, quand la France décide de réduire de moitié le quota des visas, ils ne prennent pas en considération tous les efforts. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, l'a dit, les Marocains ont donné des laissés-passer pour beaucoup de Marocains pour qu'ils puissent rentrer au Maroc, régulariser leur situation ou rentrer définitivement chez eux. Donc,
il faut toujours, disons, relativiser les décisions. Il faut toujours les ramener à ce qu'elles ont de fondamental. Le Maroc a une relation fondamentalement stratégique avec l'Europe. Il ne peut pas se permettre de gérer ses relations de manière épidermique ni conjoncturelle. Mm-hmm. Le Maroc gère ses relations avec un esprit de long terme, un esprit stratégique, un esprit de partenariat. Quand on dit partenariat, ça veut dire beaucoup de choses. Le partenariat est un état avancé de coopération entre les deux parties, entre la partie marocaine et la partie européenne. Et le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour justement accepter la logique européenne, qui est une logique, disons, basée essentiellement sur les intérêts de 27 pays réunis. Il y a le Nord, il y a le Sud, il y a l'Est, il y a l'Ouest. Et le Maroc a pu, justement, faire de l'équilibre dans cette relation. Et pour l'instant, nous n'avons que des échos favorables de la part des pays européens, aussi des institutions européennes, sur la coopération avec le Maroc. Merci beaucoup. Merci à vous, Driss Essaoui, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous aussi et merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Median TV.